Et on va dire bonjour à YouTube. Bonjour YouTube. Tandis que le chat est toujours là avec moi. Nous sommes le jour 62, il est midi chez vous. Ou peut-être pas, hein. Peut-être que vous regardez ça vachement plus tard. C'est le jour 62. Cette VOD sortira sûrement dans 15 jours. Parce que là, aujourd'hui, nous sommes le 13 avril. Dites-moi en commentaire quel jour on est. Voilà. J'avais pas mieux. Hein. J'avais pas mieux. Alors, qu'est-ce qu'on va mettre à la carte? Qu'est-ce qu'on met à la carte aujourd'hui? Alors, on avait magret, carpaccio, légumes, l'agneau et pommes de terre, la courgette, l'œuf parfait. On va peut-être mettre un peu de poisson pour faire bosser Cassim. Un peu de poisson, est-ce que j'ai un peu de poisson en fait? Mettre le thon, le carpaccio il est toujours là. On va virer l'agneau et on va mettre... le tartare. Un, deux, trois recettes végétariennes. On peut mettre. Ah mais on a ça aussi. C'est végétarien aussi, hein. Bon, on va peut-être enlever le carpaccio. Et on va mettre la fameuse salade de tomates chelou là. On va faire ça. On va faire ça pour aujourd'hui. Alors, hop. On va y passer nos commandes. Et on va voir ce qu'on va apprendre surtout. Hop, on passe nos commandes en deux fois, toujours. Et voilà. Alors, qu'est-ce qu'on va apprendre aujourd'hui comme recette? Dorade aux pommes. Qu'est-ce qui me tentait bien? Je me rappelle plus. Ah, le carpaccio de Saint-Jacques a l'air vraiment fou. Carpaccio de Saint-Jacques, ça a l'air vraiment cool. On va peut-être apprendre le carpaccio de Saint-Jacques. Tandis que Max arrive avec les produits. Oh! Hey chef, j'ai remarqué que beaucoup des produits de votre réserve vont bientôt périmer. Pas du tout. Je sais pas si vous aurez le temps de tous les cuisiner et les produits périmés à tiers des nuisibles. Non, j'ai rien de périmé, tout est arrivé, Max. Tout est arrivé aujourd'hui. Impossible. C'est juste impossible, Max, en fait. Hop. On va remplir nos frigos. Waouh, les frigos. Art culinaire. Succès déverrouillé. Encore? C'est quoi ce succès? Proposer une carte composée de 5 plats dotés d'un dressage personnalisé. Ok. Alors, tout de suite, tant que j'y pense. Est-ce qu'on peut pas débugger celui-là? Voilà. Voilà. Voilà, maintenant il est débugué, on va pouvoir poser des trucs dessus. Alors, on va prendre tout ce qu'il nous faut.
faut plein de trucs. Il nous faut plein de trucs. Ah vache! Qu'est-ce que c'est que ça? Oh, du citron caviar! Excellent ce citron caviar. Et Saint-Jacques. En vrai, il me manque les crevettes là, non? On va mettre ça là. Ok. Alors, il me faut... pâte à beignet. Alors, pâte à beignet. Eau, farine, œuf. Eau, farine, œuf. Voilà, et ça, on met ça au frais. Très bien, ensuite les crevettes. Ok. Ok. Ah. Ça, ça n'a pas fini. Ça va bientôt finir. Derrière, faut découper le piment et l'échalote. Tranche de piment. Échalote émincée. J'ai rien pris pour assaisonner, tiens. Ça peut servir. Ok, on fait nos beignets de crevettes. Sauce échalote et piment. Donc il me faut une casserole. Comment ça marche ça? Sauce échalote piment. Échalote piment. Le pinard et le vinaigre. Et on couvre à deux. Non, on couvre pas à deux, on couvre au 1. De mémoire. How are you? Hope you're raring to go today. Hop, et on couvre. On laisse tranquille. Visite surprise. Qui c'est que c'est? Oh, c'est Hippolyte. C'est Hippolyte. Attends, Hippolyte, j'arrive. On termine ça et on va voir Hippolyte. Est-ce que Hippolyte va me dire que le Michelin va arriver? Il me prévient. Bien que le Michelin arrive. Hein. Allez, on découvre. J'arrive, Hippolyte. Hein.
Les Saint-Jacques qu'on ouvre. Hop. Voilà. La sauce est bientôt finie. Pourquoi A ? Good morning, chef. Je ne sais pas. Allons voir Hippolyte. Ou terminons. Ouais, terminons la recette avant d'aller voir Hippolyte. Peu de suspense. Alors, qu'est-ce qu'il me faut ? Il me faut citron caviar. Pomme. Et... Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, c'est Saint-Jacques. Citron caviar, pomme. Tranche de Saint-Jacques. Oh, le bourrin. Moitié de citron caviar et tranche de pomme. Ok. Jus de citron vert. Il ira voir Hippolyte après. Hein. J'ai une marinade à faire avec les Saint-Jacques, le caviar, les tranches de pommes, le jus de citron vert. I'm on my game today. I'm impressing even myself. Oh, ta gueule, Adèle. J'ai rien à te donner, Adèle. Understood, chef. En vrai, si, je... Si. Ok. Alors, le citron vert, l'huile d'olive... On commence. Hop, on assaisonne. Beaucoup de baies roses. Ah, mais il y a trop de baies roses. Fuck. Ouais, on est là pour apprendre. Quoique. Hein. Il y avait quoi là, citron vert ? Ouais, on va recommencer. C'est pas... Ah non, je peux pas recommencer. Ah ouais, non, je peux pas recommencer, chiant. Ah bah tant pis. Tant pis, c'était juste pour apprendre. Ok, tac, tac, tac. Ça, ça se met au frais. Et après... Après, c'est les beignets de crevettes à faire frire. Les beignets de crevettes. Ok, beignets de crevettes, c'est bon. On va se garder ça au chaud. Ça, c'est prêt. Qu'est-ce que c'est que ça? Sauce au citron confit. Qu'est-ce qu'il me faut là? Ok. Citron confit et la sauce piment. Ça va Hippolyte hein? J'arrive hein. Pas assez de paprika.
Parfait. Et après, il n'y a plus qu'à dresser. Ouais, ça en fait plein. Ok. Je pense que j'ai tout, là. Pour dresser. C'est pas beau. Oh, ce que c'est pas beau. Oh, c'est vilain. C'est vilain. Donc, on va dresser ça. Dans la bleue. Ok. Le beignet de crevettes ira après. On va mettre les pommes avant. Ensuite la Saint-Jacques. Le citron caviar. Perle de citron caviar. Voilà. La sauce, on est bon. Le beignet de crevettes. Alors, beignet de crevettes, ça va être compliqué de les installer, ceux-là. Ok. Les petits piments. Il en faut... Oh, il n'y a même pas besoin en fait. Même pas besoin d'en mettre en fait, de base. Ok. Échalote. Échalote, c'est optionnel. Est-ce qu'on se fait chier à mettre de l'échalote? Peut-être pas, hein. Ah non, non. On va mettre des fleurs. Hein. Chips, non. On va mettre des fleurs.
Ok. Ah non, je suis full. Alors, on va rajouter des petites feuilles. Ok. Ah, je suis full aussi, hein. Basique là-dessus. Feuille de basique. Ouais. Why not, hein. Peut-être pas du basique. Ah, une petite feuille, hein. Bon, bah allez, voilà. Qu'est-ce que je peux mettre de plus? Un splatch. Bof. Hein. On s'arrête là. Magnifique, hein. Très jolie assiette. Mouché. Saloperie de pollen. Saloperie de pollen. Tandis que elle a bientôt fini. No problem, chef. Alors, allons voir Hippolyte. Qu'est-ce qu'il nous veut, Hippolyte? Maintenant que les critiques ont un œil sur vous, il faut choisir une direction pour votre restaurant. Allez-vous choisir la voie du prestige comme moi pour décrocher l'étoile du guide Michelin? Ou vous concentrez sur une cuisine de quartier sans pareil avec le big gourmand Michelin. Ah bah. J'ai l'impression que le... On va chercher l'étoile, hein. Remporter le big gourmand ou l'étoile du guide Michelin. Ça se rapproche, ça se rapproche. Ça se rapproche.
pourrais pas mettre un frigo là, moi? Oh, qui c'est que c'est encore? Oh, c'est Jean. Qu'est-ce qu'il veut? La course nautique de la ville démarre bientôt, chef. Toto de l'Arche nous appelle, oui. Oui, oui, oui. Il veut qu'on fasse une carte à base de produits de la mer. On connaît. Ils sont où les deux Gugus là? Jiro? Cuisine? Et Cassim, il est où? Bon, on a appris une nouvelle recette. Ok, chef. 1, 2. Là, on est à 3. Everything's dirty, chef. I can live with that at home, but here. Ok. I can't start cooking without the right utensils. All the tools are dirty, chef. I can't do my job in these conditions. Ok, ça on va tout poser ici. Alors moi je voulais savoir si, dans l'idée, admettons j'enlève celui-là, je mets un poste de travail, par exemple. Est-ce que là, ici, je peux mettre un frigo? Ah ouais! Magnifique ça! Ok, bon. Alors. I'll start as soon as I have the utensils I need. On n'aura pas le temps. I can't express myself without proper utensils. I've got nothing to work with, chef. I'll get to it as soon as I have utensils, chef. Chef. Quoi, pff. Bon, bon, bon. Bon, le Michelin, ça commence à sentir bon, hein. La question, c'est est-ce que je peux faire bim gourmand into Michelin? Bah, into étoile, où le jeu nous oblige à faire soit l'un soit l'autre. Ah ouais, mais là je peux plus. Ah ouais. C'est pas grave. I should invite my family to come eat here one day. They would all be blown away. Ouais, depuis le temps que tu travailles ici, Adèle, t'as toujours pas invité tes parents. C'est honteux. C'est honteux, Adèle. Bon, 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 bah on est en place, hein. Je pense, je sais pas, je m'avance peut-être. It
It's good to know that I can count on you. On va attaquer le service, hein. Adèle à la plonge, Cassim avec nous, et Giro avec nous. Encore une fois, Adèle va à la plonge un jour sur deux. Service disponible. Et ben allez, c'est parti. Cassim en cuisine, Adèle à la plonge et Giro en cuisine. Ils sont tous contents en plus. Magnifique. Et c'est le service du jour 62. Et côté timing, on est pas mal. Alors, Cassim. Sure thing. No problem. On va commencer par ça déjà. Il me faut pas des herbes à la con hein, pour ça. Hein. Ça a pas l'air. Pas beaucoup de suppléments. Hein. Giro, qu'est-ce qu'il va bien pouvoir faire? Chef? Ah putain, ça m'a viré les oranges. Ça m'a viré les oranges. Right away. Ouais, quoique non, il va pas être bon là-dessus. Hein. To me. Prepare to be amazed, chef. Very well, chef. Giro, tu vas me faire... Yes, chef. No problem, chef. On a le temps, on a le temps. On va essayer de... d'optimiser le A+. Genre ça, c'est en A... en A. That's my specialty. You're going to love it. Retente une, on a le temps. Ça c'est en A+, magnifique.
On va essayer d'optimiser le A+, hein. Ça, c'est bon. C'est toujours en A. J'aurais pu le dresser moi-même. J'aurais dû le dresser moi-même, même. Cassim, qu'est-ce qui va me manquer là? Peut-être okay. Ça. On it. On dit que des clients arrivent. Ok, il me faut ça. Qu'est-ce qu'il me faut d'autre pour dresser cette assiette ? Oh là, plein de trucs. Oh là, plein de trucs. Giro. Got it, chef. Les tomates cerises. Je vais les chercher. Manque les tranches de tomates. Oh là, non, c'est de la merde. C'est de la merde. I don't have the utensils I need to do that, chef. Aucun ustensile disponible. Ah non. Ah, pas le bon plan, hein. Cassim. Ah, c'est long, c'est long, c'est long, c'est long. Bon, Giro. I can't cook without utensils. Y a pas d'ustensiles, ah ça dégoûte. All the tools are dirty, chef. Pas d'ustensiles. Là on perd du temps. On perd du temps. C'est du C. C'est comme c'est de la merde, hein. Dans tous les cas, faut que je l'envoie, j'ai pas le temps, là. C'est comme c'est de la merde. Comment ça se fait qu'ils sont pas capables de faire des pickles de tomates? On est en A. Pas si pire, mais ça aurait pu être mieux. I can't cook without clean utensils. Ah ouais, j'ai pas d'ustensiles parce qu'il me manque... Ok, Giro. Giro... qu'est-ce que je cherche? I've got nothing to work with, chef.
manque un balsamique. Balsamique, je l'ai. La gelée, j'en ai pas besoin en fait. Ok, ça, ça sort. I'm available, chef. Elle est fade, cette assiette. Kassim, est-ce que tu peux me faire un œuf? No problem. Un œuf. Giro, est-ce que t'as moyen de me faire... It's a pleasure to prep this, chef. Allez. On va sortir les doigts, tant pis. On va leur faire confiance un peu. C'est les pickles en fait qui me posent problème à chaque fois. Pickles de tomates vertes, je comprends pas pourquoi ils se foirent, mais. Very well, chef. Prepare to be amazed, chef. We have a new table of customers, chef. Working with that ingredient is so fun. Ok. En A+, magnifique. Derrière, j'ai l'œuf qui va sortir. Sure thing. On va tenter, hein. On va retenter. L'œuf en A seulement. Ah bah là aussi en A. Ah. Double ding ding. C'est en A aussi, ça. Oh, Giro... Kassim. Normalement, Kassim, t'es capable de le faire. Ça, c'est ta recette, hein. Ça, c'est du C, c'est de la merde. Bon bah note à moi-même, faire les pickles de tomates moi-même.
Leave it to me. Right away. J'ai une commande qui arrive. Merde. J'avais pas vu. Allez, dis-moi qu'il y a un steak de thon. Il y a un steak de thon. Déjà, le steak de thon, il va sortir. Ensuite, j'ai deux dorades. Non, j'ai une dorade, merde. Oh le con. Une dorade. Et j'ai deux œufs. My talent was put to use, chef. On it. No problem, chef. Okay. Ok. Ça, on est d'accord, il y en a 4 dedans. Je suis sûr, il va manquer un truc. Je le sens gros qu'il va manquer un truc. Alors, un œuf, épinard, une sauce, qu'est-ce qu'il me faut d'autre? I need a challenge. Ah les croutons, j'ai pas les croutons. Giro, Cassim, allez Cassim. À moins d'en demander un à Giro. Allez, on va demander un à Giro et un à Cassim. Ils vont à la même vitesse les deux. Comme ça, pas de jaloux. Ok, c'est full à plus. Les croutons et
La sauce comté. Well done, chef. Nice work. Et ça, ça part. Derrière, il va me falloir Giro, une courgette. Yes, chef. Est-ce que j'ai de quoi dresser le reste? Que dalle. Que dalle. Et bah. Chier parce qu'il va encore foirer ses pickles là. Good choice, chef. Alors on va faire les pickles nous-mêmes. J'ai ma lampe à lave là qui ressemble à rien du tout. Ok, la courgette ça part. Courgette farcie. I don't have anything to do. Fais chier là. Ils savent pas faire des pickles de tomates. Ouais, en A encore. J'en demande 3. Non, en fait. Juste ça, normalement, ça devrait suffire. Hein. Alors, une commande peut-être ? Commande peut-être ? Ouais, toute seule sur une table de 6. Qu'est-ce que je peux anticiper là ? Pas grand-chose, hein ? À moins que ça, j'en ai besoin. Ah, je crois. Hein. Got it, chef. Quoique, non. Non, ça sert à rien. Non, ça sert à rien. Prepare to be amazed, chef. Ok. Ah bah, c'est pour Kassim. I love cooking that. C'est pour Kassim. Ouais, il est assez rapide là-dessus.
Et les œufs, en fait, je peux tout faire d'avance. Ah bon. Steak de thon, hein. Ah, oh, mais ça, je comprends pas. Hein. Normalement, c'est sa recette, il l'a maîtrisé vachement bien, ça. I'll take that. Allez, une table, là, s'il vous plaît. Voilà. Table de 4 qui arrive. Leave it to me. Sure thing. J'ai pas la purée non plus, tiens. No problem, chef. Very well, chef. On it. Yes, chef. Ah, la commande arrive. Here's an order for the table that just arrived. Ok, j'ai rien du tout. Chef. Il manque un truc, mais c'est quoi? Quoi qu'il manque pour dresser ça? Ah, le balsamique. Le balsamique, je l'ai, hein. Ouais. Crème de balsamique. It's the perfect ingredient for my cuisine. Ok, la courgette. Baoutine de courgette farcie. Truffe machin, là, ça part. Vieux comté, champignons et truffe. Et normalement, il restera une dernière table. Sauf si le jeu nous troll. Et A+, magnifique. La dernière table qui arrive. Et celle-là en A. Dernière table, ils sont combien? Ils sont deux. Prepare to be amazed, chef. No problem, chef. Leave it to me.
Bah en vrai, je sais pas ce qu'ils vont demander. Hein. Là, j'anticipe des œufs, mais à tous les coups, c'est peut-être de la dorade. Et dorade, j'ai pas ce qu'il faut non plus. Ah non, ils étaient que un. Oh. Ah, j'étais persuadé qu'ils étaient deux. J'ai cru voir deux arriver. Yes, chef. Oh bah ça va être bon. J'ai fait une mise en place pour rien. Hop, et ben allez, ça part. Hein. Ça part, fin de journée, le Michelin, fin du jeu. Merci, au revoir. On monte une pizzeria. I'm ready, chef. What are your instructions? Et ça part en A+. That smells so good, chef. Fin de journée. Non, pas fin de journée. Si, fin de journée, forcément. Si, fin de journée. Fin de service, fin de journée. À nous la moula. Ils ont été sévères un peu. Hein. Le service est excellent quand même, mais... Eh ben pas de Michelin, hein. Eh ben jour suivant. Ne perdons pas de temps parce qu'il est 15h07. On va dépasser un petit peu. On va pas se mentir trop.